can tell there's quite a lot of people in the city of Nancy. I am right here on live, right on the street, downtown Nancy. Je répète, comme vous pouvez constater, il y a quand même une foule énorme aujourd'hui, samedi, à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, Lorraine. Les gens en ont marre de porter le masque, des obligations sanitaires, des obligations de la vaccination, etc. Les gens n'en veulent pas. Voilà. Le masque nous oblige à porter le masque, nous oblige à nous vacciner. Ils sont en train de renforcer en plus l'obligation d'avoir un carnet vaccinal pour rentrer dans les supermarchés, dans les grandes galeries, dans les restaurants, dans les bars, dans les cafés, etc. C'est vraiment une fumisterie quand on sait pertinemment que derrière Macron se cache la petite oligarchie juive. Alors moi j'aimerais bien préciser quand même que les gens doivent prendre conscience que nous sommes quand même 45 millions de Gaulois. Voilà madame, bonne continuation, bon courage, ne lâchez rien, ne rien lâcher. Voilà, donc les gens en ont marre et je trouve que c'est carrément aberrant que nous soyons 45 millions de Français, 45 millions, enfin nous sommes 60 millions de Français, nous sommes 45 millions de Gaulois à se faire manipuler par une oligarchie sioniste qui contrôle derrière les rideaux des Champs-Élysées, des mecs comme Macron qui contrôle 45 millions de Gaulois. Réveillez-vous, réveillez-vous, bon courage aux enfants. Donc je répète, comme vous pouvez constater, la ligne est infinie. Les gens en ont plus que marre, les gens sont fatigués de cette tyrannie sanitaire, de ce contrôle politique, de ces sionistes, de ces gens comme Attali, comme BHL, comme Buzyn, qui sont derrière Big Pharma, qui sont derrière la vaccination et derrière ce contrôle sanitaire. Donc moi ça me fait super plaisir parce que j'étais sur la place tout à l'heure et il me semblait qu'on était beaucoup moins nombreux. Mais là dans le défilé aujourd'hui on voit que finalement il y a je dirais bien un bon kilomètre de fil, des milliers de gens sont là, comme les Castaner et les Castex, les PFMR ne pourront jamais dire que nous étions simplement une centaine. Rien qu'à Nancy nous sommes des milliers à défiler dans les rues contre le pass sanitaire, contre cette tyrannie politique, contre les Macron, les Attali, les BHL, et tous ces gens qui nous contrôlent et qui sont là derrière à essayer de nous rendre silencieux. Ça va ma grande? Ça va? Bon allez les mecs, ne rien lâcher, ne rien lâcher. Non, non, non.
Comme ils disent, qu'il aille se faire enculer, tout à fait. Ouais. Donc c'est ça qui est horrible, c'est que les gens se rendent compte que nous sommes vraiment contrôlés et qu'il est temps qu'on se réveille et qu'on mette tous le poing sur la table pour préparer, il faut préparer la guerre pour préparer la paix. Je vous laisse. Je vais rattraper un petit peu plus loin, voir ce qui se passe.